Alors vous connaissez Théodore Wallace? Bien sûr. C'est le chef du recrutement. Mais qu'est-ce qu'elle fait dans le STEM? Et pourquoi elle fait ça? Il y a beaucoup de choses que vous ne savez pas. Théodore veut Lily pour ses propres desseins. Vous avez vu ce qu'il a fait à O'Neill? Il fera subir le même sort à tout le monde s'il le faut. Il réduira cet endroit à néant pour mettre la main sur elle. Je peux pas le laisser faire. Qu'est-ce que c'est? J'en suis pas tout à fait sûr, mais ça ressemble foutrement à l'émetteur de champ stable. En tout cas, O'Neill nous a dit de le détruire. Alors c'est ce que je vais faire. Et je sais comment. C'est moi. Sébastien, je commençais à croire que tu m'avais oublié. Alors, est-ce que t'as fini d'armer tes trucs? Ouais, cherchais justement une excuse pour les utiliser. Bien, je t'envoie mes coordonnées. Apporte l'artillerie lourde, ça va péter. Compris. Je suis en route. À tout de suite. J'ai presque terminé. Fais-moi signe quand tu seras prêt. Dis-moi, Torres. Ce sera suffisant pour nous débarrasser de ça? Oh, et c'est prêt à péter à ton signal. Je suis prêt. Je vais jeter un œil au matériel dans l'autre pièce. Bonne chance à tous les deux. Bon, c'est parti. Opération potage de cul. Lancement dans 3, 2, 1. Est-ce que ça va, Torres? Torres? Où est-ce que... Sébastien Castellanos. Vous refusez d'embrasser les ténèbres. Alors vous essayez de m'apporter la lumière. Vos mauvaises décisions sont la cause de votre perte. Alors venez, je vous attends. Vous voulez retrouver votre fille adorée? Venez donc. Venez réaliser votre rêve. Mon Dieu, Lily. Tu es là.
Maman n'a jamais abandonné. Pas comme toi. Elle a essayé de te le dire. Mais tu étais trop stupide pour écouter. Non. Non. Non, c'est pas vrai. Mira a réussi là où vous avez échoué. Vous avez refusé d'écouter. Vous les avez perdus. Puis vous vous êtes perdus vous-même. Vous ne savez absolument rien de moi. Mira avait compris qu'on peut toujours atteindre son but. En se soumettant. En collaborant. Je dois la trouver. Bien. Alors venez à moi. Lily, c'est vraiment toi ? Lily. Lily. La voilà, votre précieuse fille. Ce n'est pas ce que vous attendiez. Papa, tu les as laissés faire. Pourquoi tu m'as pas sauvée? Non, je t'en prie. Je ne pouvais pas. Mais je le voulais. Vous êtes condamné à répéter les erreurs du passé, à moins de me rejoindre. Acceptez, et grâce à moi, vos rêves deviendront réalité. Ensemble, nous pourrons extirper Lily des griffes de Mira. Dès que j'aurai la puissance du noyau, vous serez enfin libérés. Non ! Il faut plus que des balles pour m'arrêter. Vous ne comprendrez donc jamais. Tu m'as tiré dessus, Sébastien. Pourquoi ? Non ! Non ! Allez, il faut sortir d'ici. Ah!
Tu peux pas le laisser t'atteindre. Il doit payer. Ce sale enfoiré doit payer. Sébastien, ça va pas ? Tu te sens pas bien ? Tu travailles beaucoup trop. Tu en perds la tête. Mira. Torres. Où est-ce que... Je suis chez moi. Mais comment... Pas étonnant qu'elle ait réussi à infiltrer Mobius. Lorsqu'elle a quelque chose en tête, rien ne peut l'arrêter. Pas comme moi. Tout semblait si insensé à l'époque. Mais j'aurais dû la croire. Sébastien, mon amour. Si tu lis cette lettre, je crains que le pire ne me soit arrivé. Je suis vraiment navrée, Sébastien. Tu as enduré tant de choses, tout ce temps, tout seul. Tout est ma faute. Tu as tenté de m'en parler. Mais je ne t'ai pas cru. Et me voilà maintenant en plein délire, à parler à une hallucination. Je n'ai pas pu sauver Lily des flammes. J'ai déçu tout le monde. C'est pas vrai, Sébastien. Tu ne pouvais pas la sauver de ce feu-là. Tu le sais maintenant. Mais je n'ai pas su la protéger. Comment aurais-tu pu ? Mobius est une force hors du commun. Tu t'accuses à tort. Personne ne peut se dire responsable d'un séisme. Rien de tout ça n'est de ta faute. Tu dois arrêter de te torturer. Tu es quelqu'un de bien. C'est pour ça que je t'ai épousée. Et cette fois, crois-moi, tu peux la sauver. De nombreuses forces s'opposent à toi. Tu dois rester fort. Ne laisse pas le passé prendre le dessus. Je te pardonne. Et Lily en fera de même. Mais la chose la plus importante, c'est que tu te pardonnes à toi-même. Que je me pardonne à moi-même. Elle a raison. Elle a toujours eu raison. Théodore utilise ma culpabilité contre moi.
Mais en quoi suis-je coupable? Tout est leur faute, pas la mienne. Ils m'ont tout pris. Je suis pas à l'origine de tout ça. Mais c'est moi qui y mettrai un terme. Et que Dieu vienne en aide à ceux qui me barreront la route. Sébastien, réveillez-vous. Mais... Hoffman ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Elle vous a conduit ici. Je suis navrée. J'ai tenté de la sauver, mais... Non. Je lui ai tiré dessus. La plaie par balle était superficielle. Elle a succombé aux blessures que ces créatures lui ont infligées. Putain. Elle aurait pas dû mourir comme ça. C'était un soldat hors pair. Elle voulait uniquement sauver Lily. Et la voilà morte. Tout est ma faute. Encore une fois. Non, c'est faux. C'est pas de votre faute. Ne laissez pas vous infliger ça. Vous avez raison. Ce fils de pute. C'est exactement ce qu'il attend. Il essaie de me culpabiliser. Mais c'est lui le responsable de tout ça. Pas moi. C'est lui le coupable. Bon. Il est temps de faire le grand ménage. Il faut que je retrouve Théodore. C'est pas le problème. Détruire la machine de l'IAM a bien fonctionné. Théodore n'a plus nulle part où se cacher. Le problème, c'est de l'atteindre. Comment ça ? J'ai récupéré ça à partir des caméras de surveillance extérieure. Regardez. La forteresse de Théodore se trouve au centre d'Union. Le problème, c'est qu'elle est entourée d'une épaisse muraille de flammes. Eh merde. Je pourrais jamais traverser ça. Je pense qu'il y a un moyen. J'ai trouvé un appareil dans la salle d'équipement de l'IAM qui devrait pouvoir vous aider. Parfait. Voyons ça. Il n'est pas encore prêt. Je dois encore faire 2 ou 3 réglages. Ok. Faites ce que vous avez à faire. Il me semble avoir vu un hôtel dans le coin. Je vais voir s'il n'y a pas de danger et je vous envoie les coordonnées. Vous n'aurez qu'à m'y retrouver avec l'appareil. Ok, à tout à l'heure. Je suis désolé, Esmeralda. Ta mort n'aura pas été vaine. Compte sur moi. Je vais le traquer comme le sale chien qu'il est.
Inspecteur Castellanos, c'est toujours un plaisir de vous voir. Il n'y a aucun mal à être trop prudent, mais vous ne pouvez pas éviter la confrontation pour toujours. Vous devriez peut-être opter pour plus de compétences de combat.